Bonjour, encore toujours Cathy, toujours sur un petit tutoriel sur votre boîte mail Yahoo, afin de vous montrer, je pense, un dernier petit tutoriel pour vous montrer comment on peut laisser un petit message de réponse automatique si vous vous absentez pendant vos vacances ou quoi que ce soit d'autre. Ainsi. J'ai ouvert ma boîte mail et puis Bibi Fricotin va donc partir en vacances pendant une semaine quelque part et je voudrais laisser donc un message d'absence pour les personnes qui vont m'accueillir. Je vais aller donc dans les paramètres ici et paramètres ici. Je clique dessus avec le bouton gauche de ma souris et je voudrais dire message d'absence. Je clique donc dessus. Donc, ce sera une réponse automatique, évidemment. Quand les personnes vont m'écrire, ils recevront une réponse automatique. Donc, je vais activer les dates. Je pars en vacances du mois de, je sais pas, on va dire janvier, hein, du 24 2015 jusqu'au, toujours janvier, jusqu'au 30, on va dire, 2015. Ainsi, je peux mettre ici un petit message d'absence. Bonjour, je serai en vacances du 24 au 30 janvier 2015. Je vous contacterez après mon retour. À bientôt. Voilà, ça permet de savoir pour mes destinataires, de savoir que je suis en vacances, donc je leur envoie un petit message. Vous pouvez envoyer également une copie à votre propre adresse mail, pourquoi pas, il suffit de cliquer dessus. C'est pas obligatoire, hein. Le mail a été envoyé à votre propre adresse mail. Et vous pouvez envoyer aussi une réponse différente à des domaines spécifiques. C'est-à-dire qu'il suffit simplement de mettre les adresses à des domaines spécifiques ici et de mettre un autre texte selon le domaine que vous voulez. C'est assez peu utilisé, mais en tout cas, il peut être intéressant de mettre un petit message de réponse automatique lorsque vous partez en vacances afin d'informer vos destinataires, en tout cas ceux qui veulent vous écrire et ils savent comme ça que vous êtes en vacances du temps au temps. Et vous, évidemment, vous enregistrez votre message d'absence ici en bas, vous cliquez dessus sur enregistrer. Voilà, on peut donc partir en vacances tranquillement et en informer les personnes qui nous écrivent. Comme vous pouvez le voir, je me suis envoyé moi-même mon message d'absence, c'est ce que recevront les autres, je clique dessus. Et j'ai envoyé ce message-là. Enfin, je ne l'ai pas envoyé, hein, je l'ai mis en réponse automatique, c'est ce que qui va être envoyé aux personnes qui m'enverront un mail. Voilà comment sur votre boîte Yahoo mettre un message de réponse automatique en cas d'absence. Voilà, je pense qu'on a fait le tour avec votre boîte Yahoo et je vous souhaite une bonne formation sur celle-ci.